Il neige, un livre de Ai Jingo. Au revoir, retrouvons-nous au printemps prochain, dit Monsieur Ours à un couple d'oiseaux qui partent pour les pays chauds. Ce sont deux moucherolles à ventre jaune avec qui il est très ami. Quant à lui, il va dormir jusqu'au printemps. Oh, vous me cassez les oreilles! Monsieur Ours, tiré de son sommeil, se lève brusquement. Mais qu'est-ce qui se passe enfin? Impossible de dormir! Oh! S'écrie Monsieur Ours émerveillé. Quel spectacle magnifique! C'est la première fois que je vois ça. C'est aussi bon qu'une barbe à papa. Coucou. La 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 la. Monsieur Ours est vraiment fasciné par cette neige blanche. Tout excité, il s'amuse à sautiller en laissant partout les traces de ses pas. Scratch, 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 scratch. Toute cette neige ! Monsieur Ours se sent léger comme un flocon et il danse dans la forêt toute blanche. La 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 la. Demande une souris. J'admire la neige. J'aimerais que mes amis moucherolles la découvrent aussi. Mais comment faire? Si on leur envoyait un bonhomme de neige, je vais t'aider à le faire. Bonne idée! Merci, petite souris. Les voilà qui roulent chacun une boule de neige. Tu as fait un bonhomme de neige ? Demande le lièvre. Tiens, avec une mouche, il aura moins froid. Oh, merci, lièvre. Bonjour, Monsieur Ours, salua le renard. Oh, un bonhomme de neige. Oui, je l'ai fait pour mes amis oiseaux. Comment tu le trouves? Il est beau, n'est-ce pas? Dit Monsieur Ours très fier. Avec ce chapeau, il sera plus élégant. Oh, merci, renard. Où vas-tu, Monsieur Ours? À la poste. Je voudrais envoyer ce bonhomme de neige à mes amis oiseaux. Cette écharpe leur tiendra chaud. Oh, merci, cochon. Monsieur Ours est de bonne humeur. Merci à vous tous, les amis. Le bonhomme de neige semble content lui aussi. La 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 la.
Maintenant que je suis allée à la poste, je vais pouvoir dormir jusqu'au printemps. » Monsieur Ours se glisse douillettement sous la couette et s'endort en pensant à son cadeau en route vers les pigeons. Un colis pour vous! Le cadeau de Monsieur Ours est enfin arrivé. Le cœur battant, les deux petits oiseaux ouvrent le colis. Qu'est-ce que c'est? Les deux oiseaux sont très intrigués. Ah! J'ai trouvé! Ils font du chapeau un bateau et s'y installent pour le lire et faire la sieste. Ah! Quel bonheur! Merci, Monsieur Ours!